C'est vrai que cette année, ce qui m'a marqué encore, c'est la notoriété du prix et son rayonnement. C'est un prix qui célèbre l'excellence et je crois que l'excellence a encore sa place à l'université. Quelle plus belle manière d'inclure les jeunes talents de demain, les futurs responsables juridiques, les futurs directeurs juridiques. Je pense que la plus grande valeur du prix aujourd'hui, c'est d'avoir la capacité de taper à la porte de trois professionnels du droit différents. Être juriste aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier, c'est être de plus en plus au cœur de la vie de nos concitoyens et de celle de nos sociétés. Alors pour ceux qui ont justement cette fibre de l'intérêt général, vous allez pouvoir agir sur le quotidien des populations, mais aussi évidemment sur les générations à venir. Votre profession a véritablement un rôle majeur à jouer dans la construction du monde en transition que nous vivons. Et l'avenir est entre vos mains. Le premier prix est décerné à Noémie Zuel-Bingaro. Les prix qui sont remis, notamment la capacité de faire un stage en cabinet ou en entreprise ou en études notariales, c'est la première marche d'un parcours professionnel. L'expérience du prix Mégis, pour moi, ça représente certainement une capacité intellectuelle à appréhender le droit en pratique. C'était vraiment un grand plaisir. Nous avons eu des candidats de la France entière, les candidats de Montpellier, de Lille, de Nancy, tous de très très grande qualité. Je suis très honorée de recevoir ce prix. Ça a été vraiment un privilège pour moi de pouvoir participer au prix Mégis. Je remercie sincèrement tous les responsables de master qui chaque année mobilisent leurs étudiants et participent à ce rayonnement du prix Mégis. Et c'est ça qui fait sa force aujourd'hui. On a reçu beaucoup de bienveillance en fait. On avait l'impression de faire partie d'une discussion qui nous permettrait à la fois d'évoluer, de réfléchir à autre chose. Je suis ravie de voir à quoi ressemble le monde de l'immobilier de demain dont vous parliez tout à l'heure. Il n'y a pas que les lauréats à qui on ouvre la porte. Tous les participants sont invités à envoyer leur CV. Je n'ai aucun doute sur notre adaptabilité, sur notre capacité à nous réinventer. Si vous êtes dans un Master 2 de droit immobilier, c'est que vous avez les connaissances, vous avez les compétences. Alors, participez au Mégis.